La haute montagne, c'est mon terrain de jeu. Beaucoup de personnes ont l'impression que je me balade dans une sorte de paradis. Les paysages sont magnifiques, les descentes sont grandioses. On retrouve une sorte d'authenticité qu'on a perdue dans la vie quotidienne. On a Claire qui vient aller chercher une stère de bois. Par contre, on avait commandé notre bois coupé en 50, Claire. Et du coup, beaucoup d'abonnés disent avoir envie de me suivre dans les commentaires. Je pars avec deux gars qui n'ont jamais fait de montagne. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer l'autre côté de la médaille. Je vais vous parler du risque et surtout de comment je le gère. Je te dis, arrête-toi là, je passe. Comme ça, tu me balances pas de pierre. Et pour ça, je vais prendre en exemple une sortie où, contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir, tout est parti complètement en sucette. Mais qu'est-ce que tu fous? Vous allez comprendre comment je mets en application 15 grands principes de sécurité en montagne, issus de mon expérience. A noter que tout ce que je vais vous dire est valable pour les autres sports de montagne en fait, hein, ski, alpinisme, trail, rando, escalade. On va commencer par la question basique, la question mère qui engendre toutes les autres. Que se passe-t-il si je me blesse? Ah, t'as touché l'arbre. C'est bon Dimitri ou quoi? La gestion du risque, c'est rien d'autre que se poser cette question. Vous allez me dire qu'on peut aussi réfléchir à comment ne pas se blesser, mais bon, ça revient à se demander comment on peut ne pas tomber, ce qui est, vous en conviendrez, plutôt stupide. Donc, que se passe-t-il si je me blesse en haute montagne? Ça m'amène au premier principe, ne jamais miser sur les sports en montagne. Parce que si vous partez vraiment dans la montagne sauvage, en règle générale, le téléphone ne passe pas, tout simplement. Quand au cours de mes sorties, je vois passer des mecs en VTT au-dessus de 2000 mètres, habillés comme pour du XEC, avec même pas de sac à dos et tout l'équipement qui tient dans une petite sacoche de cadre, eh ben ça signifie qu'ils misent entièrement sur les sports en montagne. Et ça, c'est une putain d'erreur. Prenons un exemple. Tu es à 3 heures du parking. Bon, c'est pas très loin. C'est le printemps, t'es avec un pote. Tu crains rien, vous êtes deux. Quand vous êtes parti, il faisait beau, il faisait 10 degrés à la bagnole. Sortie cool. Que se passe-t-il si tu te blesses? Alors admettons que tu te pètes la cheville, par exemple. Bon, se péter la cheville, c'est une blessure bénigne, hein. Néanmoins, le problème, c'est que ça t'immobilise. À ce moment-là, tu te rends compte que le téléphone ne passe pas. Du coup, ton pote, il est obligé de te laisser pour aller chercher les secours. Admettons que vous étiez à la fin de la sortie, il est 17h, le temps que ton pote, il arrive en bas, qu'il appelle les secours, qu'il fasse comprendre où t'es et tout ça, eh ben, la nuit est tombée. Et donc, tu peux oublier l'hélico, tout simplement. Tu vas devoir passer une nuit en montagne. Bon, c'est pas grave, il faisait chaud. Sauf qu'en montagne, en moyenne, tu perds environ 1 degré tous les 100 mètres. Disons que t'as monté 1000 mètres, ça veut dire que s'il faisait 10 à la bagnole, là, il fait 0 à l'endroit où t'es coincé. Et vu que tu vas passer la nuit, ça va facilement tomber à moins 6, moins 7. Et ajoutons un petit vent par-dessus ça, si tu prends la bac windshield officielle, avec un vent de 15 km/h, tu tombes à environ moins 12 degrés. Donc moins 12 degrés la nuit entière, on va être clair, si t'as pas l'équipement adéquat, tu meurs. Pour celui qui roule à basse altitude ou en station, il se pose pas ces questions-là. La seule problématique pour lui s'il se blesse, c'est la gravité intrinsèque de la blessure. Après, les secours arrivent, ils l'emmènent, il est soigné. En montagne, l'erreur ne pardonne pas. C'est pour ça que quand je vois des commentaires du genre « il roule pas assez vite » ou des trucs encore pires du genre « il aurait pu sauter la barre », bon, ça me fait rigoler. Les mecs qui roulent vite et fort sur leur spot GP, ils ont pas à se poser la question de la blessure. Et je dis pas qu'ils prennent pas de risques. Ils peuvent très bien se tuer sur une chute de VTT. Mais le moindre incident ne dégénère pas, c'est pas pareil. Ils vont pas mourir s'ils se pètent une cheville. J'ai une formation d'ingénieur à la base, hein. Donc ce que je viens de faire, en fait, factuellement, ça s'appelle une analyse de risque. Il faut se poser cette question en permanence, que se passe-t-il si je me blesse? Faut pas se la poser pour se faire peur, mais faut se la poser froidement, de telle sorte à prendre les bonnes décisions. Il faut se la poser avant de partir, pour choisir son équipement, quand on prépare son itinéraire. Il faut se la poser pendant, pour prendre en compte les dangers qu'on n'avait pas prévus. Et il faut aussi se la poser après, pour faire une sorte de débriefing. Et toi Fanny, qu'est-ce que t'en as pensé, tu veux ? Maintenant, vous allez m'accompagner lors de la sortie abominable dont je vous ai parlé, et je vais vous donner les 14 autres grands principes. Le second est évident, c'est emporter le matériel adéquat. Cette fois-ci, on est parti en mode ultra allégé. Bon, on dirait pas, hein. Mais là, il est vraiment ultra allégé par rapport à la dernière vidéo. En gros, il y a pratiquement 2 kilos de moins. Bon, attention, un hein, matériel adéquat, ça signifie pas toute la panoplie des fans de survie. Par exemple, le couteau. Dans les manuels de survie, le couteau, c'est la base. T'as l'impression que sans couteau, tu vas mourir en 10 minutes.
Bon, et ben concrètement, en montagne, le couteau, et ben ça sert à rien. À part couper le saucisson ou couper un rhizome pour réparer le vélo, c'est pas ça qui va augmenter tes chances de survie. Alors le matériel adéquat minimal, c'est une trousse médicale de base qui contient notamment des antidouleurs et de quoi stopper une hémorragie. Des vêtements pour lutter contre le froid. Concrètement, moi, je prends une veste de montagne et une doudoune, même en plein été. De l'eau et de la bouffe. Et pour l'eau, il faut aussi du micro pur, mais on va y revenir. Un téléphone pour, bien sûr, si ça capte, prévenir les secours, c'est quand même mieux que rien. Donc un téléphone dont vous allez économiser les batteries. Donc ça veut dire qu'on y va mollo sur les selfies. Et typiquement, quand vous me voyez piloter le drone avec le téléphone, il faut savoir qu'on a un autre téléphone en parallèle, et que celui-là, on ne l'utilise pas. Et enfin, une carte. Oui, tout ça déjà, ça tient pas dans une sacoche de sel. Ça veut dire que vous allez devoir prendre un sac, et que le sac, il va pas être si petit que ça. Et bon, je sais aussi qu'un sac, c'est chiant en VTT, on est beaucoup moins bon quand on descend avec un gros sac. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Déjà fatigué ? Le troisième principe est évident aussi, il s'agit de préparer son itinéraire. Et mieux que ça, quand on part, il faut le laisser à une tierce personne qui part pas avec vous. Et une tierce personne, c'est pas le mur Facebook. Hein. Pour des sorties où vous considérez qu'il y a particulièrement des risques, vous pouvez même laisser des consignes strictes à cette tierce personne. Par exemple, lui dire « si je suis pas rentré à telle heure, ben, tu préviens les secours et tu lui dis que je suis pile à tel endroit. » Mais attention, pas d'abus non plus sur le déclenchement des secours. Hein. Parce qu'un hélico qui décolle vous cherchez alors que vous courez pas de risque immédiat, c'est un hélico qui potentiellement va pas pouvoir secourir une autre personne qui, elle, pourrait être en danger de mort. Et ce que je dis, ça s'applique pour tout le reste, même dans la vie quotidienne. Hein. Quand on appelle le 15, les pompiers, ou quand on va aux urgences, évidemment. Alors le but de préparer son itinéraire, c'est de pas se retrouver coincé dans un endroit dangereux, et d'adapter aussi la sortie à son niveau. Hein. Que ça soit en termes de durée ou de difficulté technique. On va faire ce sommet-là. Ça semble impossible, hein, vu d'ici. Hein. À la caméra, ça écrase, mais en vrai, ça va vraiment raide, là. Alors pour ça, il faut savoir utiliser la carte et éventuellement, alors je dis bien éventuellement, aussi les nouveaux outils numériques. Alors par nouveaux outils numériques, il y a tout ce qui est GPS, puis toutes les applis que vous pouvez utiliser avec. Alors le GPS, c'est aussi un piège parce que du coup, vous suivez un itinéraire sans vous poser de questions et se poser des questions, c'est un peu la base de la gestion du risque. On va où alors ? Bah, en fait, je suis pas sûr des passages sur la crête là-haut. Donc là, demain, on essaie de monter un peu là, et hop. Ouais, on va monter direct, voilà, on la voit pas, mais on monte sur la crête qui est là. Sans compter que si vous n'avez qu'un GPS et qu'il tombe en rade de batterie, eh ben, vous êtes pris. Voilà, alors qu'une carte, ça tombe pas en panne. Alors le quatrième principe, qui est valable pour le vélo et pour le ski aussi, pour tous les sports en fait de freeride, c'est de monter par là où on descend. Ça permet de valider le terrain, et d'anticiper tous les risques, les dangers, et puis de simplement voir que la descente est faisable. Et surtout en montagne, ça permet d'éviter de ce qu'on appelle s'embarrer. Alors s'embarrer, ça veut dire se retrouver coincé au-dessus d'une barre rocheuse et pas pouvoir descendre, parce qu'il n'y a pas d'itinéraire faisable sans risque. Ça arrive beaucoup aux personnes inexpérimentées, mais ça arrive même aux plus expérimentés. L'année dernière, par exemple, en Espagne, ça m'est arrivé une fois avec Dimitri. L'idéal, c'est même de faire une reconnaissance à pied sur toute la montée et la descente avant. C'est-à-dire que vous partez une journée complète avant, vous faites l'itinéraire, et puis le lendemain ou plus tard, vous le faites à vélo. On part en recours. Parce que demain, on va devoir monter tout ça à pied au petit matin, avec la neige gelée. On voit par où ça passe. C'est pas mal, hein. Ça a l'air d'être bien faisable, hein, ces grandes pentes de neige là. Et en plus, l'arête elle est sèche au-dessus. Ça, je le fais sur les sorties vraiment complexes quand je suis pas sûr du tout si ça passe. Par exemple, l'année dernière, on a fait une reco à pied avec Fanny de 1700 mètres de dénivelé, donc qui a duré 7 heures. Et enfin, je fais aussi parfois des recos en drone. On va envoyer le drone en reco là.
Cinquième principe, adopter une attitude interrogative. Alors une fois sur le terrain, les conditions sont rarement telles qu'on les a imaginées. Donc il faut intégrer ces changements. La neige, elle est pas pareille que ce qu'on a eu il y a une semaine, elle est toute mouillée. Je pense qu'en descente... Ça c'est casse-gueule. Ça, ça s'appelle du gros sel. Alors il ne faut pas oublier que la réaction première de l'esprit humain à tout changement brutal, c'est le déni. C'est bien connu en psychologie et on appelle ça la courbe de deuil. C'est une succession d'étapes psychiques qui s'appliquent lorsque survient un changement brutal. Donc en clair, on passe à chaque fois par les étapes déni, colère ou peur, tristesse et acceptation. Ça s'applique pour tout événement grave, donc comme un deuil, d'où le nom de la courbe du deuil, mais ça s'applique aussi pour n'importe quelle petite contrariété de la vie quotidienne en fait. Sauf que ça passe plus vite dans ce cas-là. Prenez un exemple simple, vous perdez votre portefeuille. Votre première réaction, ça va être de le nier. Vous allez vous dire non, il n'est pas perdu. Ensuite, vous allez le chercher, et vous allez vous énerver. Puis vous allez penser à toutes les démarches que vous allez devoir faire, donc ça va vous donner un petit coup au moral. Et puis finalement, vous allez accepter la situation, et puis vous allez faire posément ce qu'il faut. Alors, certaines personnes vont faire cette courbe de deuil, c'est un peu fort pour le portefeuille, mais vont suivre cette courbe en quelques secondes, et d'autres, ça va prendre une heure. Bon, dans tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir conscience, en fait, de la toute première phase, le déni. Là, toi, tu vas passer dans l'air, tu vas pouvoir freiner, non? Concrètement, ça veut dire que quand vous allez vous blesser et vous retrouver dans une situation vraiment grave, la première chose que vous allez faire, c'est le nier. Et donc ça, c'est un problème parce que ça peut entraîner un suraccident. Par exemple, si vous allez vous blesser, à un genou, vous allez essayer quand même de marcher avec votre genou en vrac. Et vous allez peut-être vous blesser plus gravement encore. Alors, principe 6, toujours considérer qu'on va passer une nuit en haut. On va se trouver un petit bivouac au-dessus, là. Sous la face, directement sous la face. Passer une nuit non prévue en montagne, ça peut vite arriver. Alors on a déjà parlé de la blessure, mais on peut aussi tout simplement se perdre. Bon, voilà, là je suis paumé. Y'a rien. Plus de sentier du tout. On peut faire un itinéraire trop long que ce qu'on avait prévu et être complètement épuisé. Tâche, on est à bout. On peut subir un aléa météorologique comme du brouillard. Donc moi je considère systématiquement que je dois pouvoir passer une nuit en montagne, quelle que soit la sortie que je fais, même si elle est de quelques heures en pleine journée. Il est 16h. Le soleil se couche dans 2h. Il faut être préparé à ça, à la fois psychologiquement et aussi dans les équipements qu'on prend. La première chose qu'il faut faire, c'est que la température de référence que vous prenez en compte pour le choix de vos vêtements et tout ça, c'est pas la température en pleine journée, c'est la température de la nuit. Tu prends quoi comme fringue alors? Et le mieux, c'est encore de passer une nuit en montagne volontairement. Ça, c'est plus cool. Principe 7, être prêt à abandonner son équipement et son vélo. Quand on se retrouve pris dans une situation difficile, on a souvent des mauvais réflexes. Donc j'ai déjà parlé du déni. Donc on a tendance à sous-estimer la gravité d'une situation. Et ce qui peut notamment nous mettre dedans, c'est de vouloir à tout prix sauver son équipement. Par exemple, si vous êtes blessé, vous allez avoir tendance à vouloir descendre avec votre vélo à la main, et ça peut évidemment, même ça va évidemment empirer les choses. Donc quand vous partez en montagne, il faut que psychologiquement, avant de partir, vous soyez prêt à sacrifier votre nouveau bike à 6 000 euros, et tout votre équipement. Il faut que vous soyez prêt à sacrifier votre drone à 2 000 euros, et il faut que vous soyez prêt éventuellement aussi à sacrifier votre amour propre. Et cet effort psychologique, il faut qu'il soit fait avant. C'est pas une fois qu'il vous arrive les emmerdes qu'il faut se poser la question. Principe 8. Toujours avoir des réserves d'eau potable. L'eau, c'est vital. Ça, c'est un secret pour personne. Et c'est vrai encore plus en montagne où l'altitude accélère la déshydratation. Vous le sentez très vite, hein. Si vous avez plus d'eau en montagne et que vous faites des efforts intenses, vous pouvez vous retrouver à l'agonie en quelques heures à peine. D'autant plus que la montagne est trompeuse. En général, on a l'impression qu'il y a de l'eau partout, mais d'une part, ça peut très bien ne pas être le cas, comme sur des plateaux calcaires, par exemple dans le Vercors. Mais ça peut être plus pervers que ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'il y a de l'eau partout, on peut la voir, mais en fait, elle n'est pas accessible, parce qu'on en est séparé par une falaise ou par un canyon. Et même de l'eau qui peut sembler parfaitement disponible, la neige par exemple, ne l'est pas en fait.
parce que vous pouvez pas vous réhydrater en prenant des poignées de neige et les avaler, ça marche pas. Pour pouvoir vous réhydrater avec de la neige, il faut un réchaud et du gaz pour en faire fondre en quantité suffisante sans créer d'autres problèmes par ailleurs. Donc il faut des réserves d'eau, et il faut les faire évidemment à l'avance, hein, pas une fois que tu as boire des vignes. Je suis à sec d'eau. Là, je vais faire le plein là. Enfin, quand vous accédez à un beau petit torrent et que vous commencez à remplir la gourde, attention, parce que si vous la buvez directement, une fois sur deux, vous allez tomber malade comme des chiens, tout simplement à cause de la présence de bestiaux. Donc ça peut être des troupeaux, ou même la présence d'animaux sauvages plus haut, ça suffit, hein, des chamois, ou ça peut être aussi un cadavre d'un oiseau crevé qui est au-dessus que vous ne voyez pas. La plupart des sources sont pas potables en montagne, hein, même si elles donnent très envie de les boire directement. Et en cas d'intoxication, vous tordez les boyaux en moins de 3 ou 4 heures. Et ça peut être vraiment violent, j'ai déjà expérimenté. Et donc, quand vous n'êtes pas certain que l'eau qui sort de la roche, c'est une source, une vraie source, donc c'est-à-dire pratiquement tout le temps, c'est très rare qu'on soit certain de ça, eh ben, il faut désinfecter l'eau avec des pastilles de chlore, donc du micropure en règle générale. Petite pastille, ça sauve la vie. Ok, ça donne mauvais goût à l'eau, mais bon, faut ce qu'il faut. Principe 9, suivre son instinct. Alors cette nuit-là, j'ai fait un truc bizarre que jamais je fais normalement. Je me suis réveillé vers 3h du matin, il y avait une pleine lune splendide qui éclairait la montagne, pas un nuage. Et du coup j'ai réveillé Fanny à côté et je lui ai dit « Et si on partait tout de suite pour faire l'ascension au clair de lune ?» Et du coup on atteint le sommet à l'aube et puis on fait la descente sous les premiers rayons du soleil. J'ai proposé ça sans aucune raison objective, je sais pas pourquoi j'ai proposé ça. On a discuté un peu avant de conclure qu'on allait dormir et faire comme on avait prévu. Mais en fait, ce qui allait se passer le lendemain allait me donner raison. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Il faut apprendre à la reconnaître et savoir l'écouter. Parce que l'intuition, c'est pas un truc magique sorti de nulle part comme les voix de Jeanne d'Arc. L'intuition, c'est quelque chose de bien réel. En fait, c'est l'addition de signaux imperceptibles avec ton expérience. Ton corps perçoit une infinité de choses que tu n'analyses pas de façon consciente. Des variations infimes de température, d'humidité, de lumière, des vibrations, des bruits, des mouvements d'air. Et ton cerveau, il reçoit tous ces stimuli, toi t'en as pas conscience, mais lui il l'analyse et il te présente ses conclusions. Et ses conclusions, c'est l'intuition. Et d'un coup, t'as un pressentiment de danger ou t'as envie de faire quelque chose qui te semble pas logique à un moment donné, eh ben il faut en tenir compte, ou au moins se poser la question pourquoi. Principe 10, prendre en compte la météo. C'est bizarre ces genres de nuages là. J'aime pas ça. On en chie comme des Russes dans la neige profonde. En plus de ça, le temps a l'air de se dégrader très vite. Regardez les nuages là tout à l'heure. Analyser la météo en montagne, c'est essentiel parce qu'elle est vecteur de nombreux dangers. Alors il y a les dangers directs d'une part qui sont évidents. L'orage, le brouillard, le froid. Le vent. À ce sujet, le froid et le vent, il faut savoir que ces deux notions sont vraiment étroitement liées. Il existe la BAC Wind Chill, dont j'ai déjà parlé juste avant, qui vous donne la température ressentie, fonction du croisement de ces deux facteurs. Mais il y a aussi tous les dangers indirects, parce que la météo, ça concerne pas que le ciel. Par exemple, la météo influe énormément sur la neige, et donc évidemment le risque d'avalanche. Mais qu'est-ce que tu fous ? Oh putain ! Comment perdre plein d'énergie. Ah, je crois que ça va être dur. Et du coup, le soleil peut en fait devenir aussi un danger, paradoxalement. Mais bon, je vais pas m'étendre sur les dangers liés à la neige et aux avalanches parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. La pluie, c'est également un danger indirect parce que ça rend la roche glissante et il y a certaines textures de roche qui deviennent très très glissantes quand elles sont mouillées. Et ça peut par exemple transformer des sections que vous avez passées tranquillement à la montée en sections infranchissables à la descente si elles sont mouillées. Et donc si c'était le seul passage possible, vous pouvez vous retrouver tout simplement piégé. Donc évidemment, il faut consulter la météo avant de partir, mais il faut aussi être vigilant à tous les changements que vous percevez pendant la sortie. Oh, le chemin est déjà pris dans les nuages. Ça a l'air de rien, mais il y a 8h du mat, alors qu'il n'y avait rien, il n'y a même pas une demi-heure, c'est très très mauvais signe. Moi perso, j'utilise le site Météo Blue, qui est une appli gratuite et très fiable. Je trouve que c'est la plus fiable en montagne. Et elle donne notamment des données très importantes comme l'altitude des nuages. L'altitude des nuages quand vous êtes en plaine, vous en fichez, mais en montagne, c'est important parce que vous pouvez être dessous les nuages.
pouvez être dedans, vous pouvez même être dessus. C'est-à-dire que vous pouvez même partir éventuellement par des prévisions de mauvais temps, en considérant que vous allez être au-dessus de la couche nuageuse, ce qui est très joli d'ailleurs. Principe 11, ne pas partir avec n'importe qui, ni trop nombreux. Alors en montagne, votre principal atout de sécurité, c'est votre coéquipier. Très bien joué. Voilà. C'est avec lui que vous allez discuter pour prendre les bonnes décisions. Bon, mais moi, ce que je te propose, Alex, c'est qu'on déjeune. C'est lui qui s'occupera de vous en cas de blessure. Je te préviens, on a plus de cartouches, j'en ai plus un. Moi, je te laisse dans la merde. Trop fait, en... Donc, il faut bien le choisir, ce coéquipier. Là, tu vois rien. C'est son pote, il avait le vertige déjà à la brèche, alors. La pédagogie à Michel. Tu vois pas le vide si t'as pas envie de le voir. Il doit avoir le même niveau, les mêmes connaissances que vous. Faut... sur le rocher, là, oh. Et surtout, il doit être fiable. Écoute, on va boire un café, on va se trouver une petite terrasse sympa, on va leur demander une petite bière belge ici, puis on annule. Si vous partez avec quelqu'un de plus faible que vous, il faut avoir conscience que vous devenez un guide. Merci Alexia Righetti. Et que donc vous doublez vos responsabilités. Et pire, si vous partez avec la mauvaise personne, elle peut accentuer le danger et vous mettre vous en danger. Il faut particulièrement faire attention aux gens qui se surestiment tout en sous-estimant la montagne. Ça, c'est le pire combo qui soit et qui génère à coup sûr des situations catastrophiques. Concernant le nombre de personnes dans le groupe, je suis assez radical. Moi, j'ai tendance à dire que le bon nombre en montagne, c'est deux. Parce qu'à deux, on fait les choses ensemble. Dès qu'on passe à trois ou plus, il y a un leader qui émerge, il y a un premier et un dernier, et il y a une sorte de relation de compétition qui s'instaure. Même si c'est pas voulu, même si vous êtes les meilleurs amis du monde, il y a quand même cette sorte de relation de compétition qui arrive. C'est humain, ça on n'y peut rien. Après là, il va plus vite que moi, mais j'ai quand même 3,5 kg de plus. Le corollaire de tout ça, c'est que évidemment, quand on a un bon coéquipier, il faut pas se séparer. Alexis a décidé de continuer tout seul. Moi, je préfère redescendre. Il est un peu plus motivé que moi, là. Il aime bien le mauvais temps, je crois. La seule cas de figure qui fait que vous puissiez vous séparer à votre montagne, c'est pour aller chercher les secours. Mais sinon, il faut rester ensemble, évidemment. On peut aussi partir tout seul en montagne. C'est une expérience assez puissante. Hein. Moi, j'apprécie de partir de temps en temps tout seul en montagne, et je le fais. J'ai certaines vidéos qui le montrent. Là, réellement, je plane. Comme si j'avais pris un shoot de vodka, là. Mais dans ce cas-là, il faut partir en toute connaissance de cause. Hein. Donc, vous l'avez compris, vos chances de survie en cas d'accident, même bénin, elles se réduisent vraiment drastiquement dans ce cas-là. Principe 12, savoir renoncer. Quand on réalise de grandes ascensions ou de grands projets de ride, on met beaucoup de choses dans la balance. On s'est préparé, on a attendu la fenêtre météo, on a fait de longs trajets en voiture, voire parfois on a pris l'avion, on a changé de continent, on a acheté beaucoup de matos, on a dépensé une énergie considérable pour arriver en haut, et du coup, c'est dur d'abandonner, surtout quand on est près du but. Je continue tout seul. Mais sachez qu'en montagne, la majorité, la grande majorité des accidents se déroulent à la descente, tout simplement parce que des équipes n'ont pas su abandonner à temps. J'ai atteint un sec. Il faut avoir une grosse force mentale pour abandonner. Paradoxalement, ça nécessite plus de force mentale que celle qui est nécessaire pour réussir. Bon, je vais faire demi-tour. Parce que là, il y a vraiment des nuages partout, ça craint, ça commence à craindre. Il y a quelques années, j'avais fait un peu d'alpinisme dans la cordillère des Andes, et j'ai abandonné 100 mètres sous un sommet de 6000 mètres que j'avais mis plus de 3 jours à grimper en faisant plusieurs bivouacs, tout simplement parce que les conditions météo avaient changé brutalement alors que je m'approchais du sommet. Principe 13, toujours rider au moins 20% en dessous de ses capacités. Le rider explique que pour progresser, il faut se mettre en difficulté, voire tomber. Combien de fois j'ai entendu la phrase « si tu tombes pas, c'est que tu progresses pas ». Mais quelle connerie ! Déjà, si tu tombes, de façon très pragmatique, tu vas te faire peur, et puis tu vas arrêter de progresser parce que tu vas plus prendre de risques. Mais c'est pas l'essentiel. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Vous êtes pressés, les gars ? C'est quoi qui est important ? C'est de prendre du plaisir sur le vélo ? Ou c'est de pouvoir dire qu'on a passé du T5 qu'on a franchi un gap de 5 mètres. Parce que quand vous allez vous retrouver avec une plaque vissée dans les vertèbres, ah oui, vous aurez progressé vite, mais vous serez plus là pour en profiter. Donc la prudence n'empêche pas la progression.
Ma règle, que je m'applique de façon stricte, c'est de toujours rider en dessous de mes capacités. Je dis 20%, ça veut rien dire 20%, mais de rider en dessous, clairement en dessous, de pas se mettre à la limite. Et ça, c'est valable à la fois pour la notion de technique, de passage technique, et aussi la notion de vitesse. C'est-à-dire que je ride toujours sur des portions plus faciles que ce que je pourrais faire, et moins vite. Et si je suis pas absolument sûr de pouvoir franchir une section, je ne le fais pas. Et quand je dis absolument sûr, c'est absolument sûr. C'est-à-dire qu'il faut que dans ma tête, il n'y ait pas la moindre hésitation, la moindre anxiété. Alors ça veut pas dire, l'absolument sûr, il vient pas forcément tout de suite. Ça veut pas dire que j'arrive, si je le sens pas, je descends tout de suite du vélo. Ah, on dirait qu'Alexis a capitulé. Non. Ça peut se préparer, absolument sûr. Il y a des fois, je pars en reconnaissance dans la section. Je vais positionner le vélo pour voir comment il est incliné sur des rochers, par exemple. Je vais réfléchir, je vais me concentrer. Et au moment où je le sens parfaitement, j'y vais. Mais jamais je me lance en me disant « on verra bien ce que ça donnera ». Hein, Michel ? Mais en fait, j'ai vu que cette marche et j'ai dit « elle se passe pas comme ça ». Donc j'ai tiré, j'ai sauté en face et j'ai pris le virage. Ce qui est sûr, donc, c'est que si on ride pendant des années sans se blesser, eh ben on progressera de manière continue. Ça, c'est une certitude. Et si des riders de station ou de spot considèrent qu'ils peuvent se blesser, ok, mais en montagne, le rider de montagne, lui, il n'a pas le droit à l'erreur, il n'a pas le droit de se blesser. Donc, t'as compris, faut garder une marge. Alors, ça y est, Fanny, la tempête qui arrive. Là. Ouais. Ouais. On se magne. Bon, on met les duvets et les affaires dans les sacs étanches. Et puis, on se casse. Le principe suivant est très simple, et pourtant on n'en parle jamais. C'est écouter sa peur. La peur, c'est pas pour les tapettes. La peur, c'est une fonction biologique qui sert à éviter de se mettre en danger. Donc en général, quand votre cerveau il a peur, il vous envoie ce message, c'est qu'il a de bonnes raisons. Donc il faut savoir l'écouter aussi. Là, je vais vous dire un truc. Là, je commence à avoir peur. Sans compter que quand t'as peur en vélo, t'es moins efficace et c'est là où tu tombes. Vas-y, t'occupe pas des cailloux, ça passe. Donc ça rejoint le point précédent où je disais qu'il fallait que je me sente absolument sûr. Il y a deux choses. On peut ne pas être sûr de franchir une section parce qu'on se dit, pour des raisons physiques, par exemple, le vélo il va pas passer, j'aurai pas le temps de freiner après la marche, enfin j'en sais rien. Mais on peut voir une section, se dire qu'elle est passable et avoir peur. Tout simplement, peut-être parce qu'il y a un risque objectif très important à côté, une falaise, et que donc vous vous sentez pas. Ouais, je me le sens pas, c'est raide en fait. C'est raide, hein ? Ouais, je vais me casser la gueule, je me le sens. À pied, ça va être long, là ? Donc si j'ai peur, systématiquement, je mets mon amour propre de côté, et je passe à pied. Bon, d'une manière générale, faut quand même avoir conscience qu'il y a une limite à ça, c'est que la peur, elle n'a pas évolué avec les technologies modernes. C'est quelque chose de trop primal. Par exemple, quand vous roulez sur une nationale et vous croisez un camion alors que chacun est à 80 km/h ou 90, là on ne sait plus trop, objectivement, vous devriez être terrifié. Parce que le mec d'en face, il regarde son téléphone, il fait un écart, mais vous êtes mort. Vous êtes mort direct. Et du coup, si je compare avec par exemple la peur que vous ressentez quand vous marchez juste au bord d'un précipice, et ben là, pour le coup, c'est aberrant. Parce que quand vous croisez une bagnole sur une nationale, vous n'avez pas du tout peur. Alors que quand vous marchez à côté d'un précipice, il y a certaines personnes qui peuvent être terrifiées. Alors qu'objectivement, il n'y a aucune raison de tomber. Donc j'espère que parmi vous, il n'y en a pas qui regardent cette vidéo en conduisant. Si c'est le cas, vous coupez tout de suite. L'autre chose aussi, c'est que le cerveau, il s'habitue au danger. C'est le cas avec la bagnole, mais ça peut être le cas en montagne. Vous pouvez vous habituer à des situations à risque, et ça, il faut en avoir conscience. Alors mon dernier point va être un peu paradoxal, c'est ne pas se filmer. Ouais. C'est lui tout saute et il lui demande si nous on est prêts quoi. Pour être un peu plus précis, ok on peut se filmer, mais il ne faut rien faire pour la caméra.
La GoPro, ça incite clairement à prendre des risques. Si t'es sur une belle section de pente freeride et que t'es sans GoPro, sans caméra, sans rien, tu vas naturellement prendre la ligne la plus simple. Instinctivement. Si t'as une GoPro, l'instinct il va être un peu renversé. C'est-à-dire tu vas prendre la ligne la plus compliquée possible que tu vas pouvoir faire, à tous les coups. Donc c'est bien quelque chose qui met en danger. Et ça c'est vrai pour la vitesse aussi. Dès que vous avez une caméra, vous allez avoir tendance à vouloir envoyer. Après, faut être honnête, je vais pas vous dire de ne rien filmer ou de pas tenter des choses devant la caméra, ça serait hypocrite de ma part. Moi aussi je cherche parfois la belle image, c'est clair. Bon, je vous cache pas que je me sens un peu con comme ça. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut avoir ça en tête. Donc faut être capable de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait, et à un moment donné, de se dire « Ah bah non, ça c'est vraiment trop con, c'est pas parce qu'il y a une caméra que je vais faire un hoster hyper engagé au bord d'une falaise de 100 mètres. » Donc avant tout, il faut faire les choses pour soi, il faut rider pour soi. Je voulais te dire que je me suis régalé avec toi ce week-end, même si on a eu... on en a chié quoi. Donc voilà, je vous ai donné mes 15 principes que je m'applique en permanence quand je suis en montagne, de façon consciente ou plus ou moins inconsciente. Néanmoins, j'aimerais terminer par une chose, c'est que rien ne remplace l'expérience. Ah ouais, il y a un risque d'avalanche là. C'est-à-dire que plus vous sortez en montagne, plus vous allez faire de petites erreurs qui se seront pas mal finies. Et c'est toute cette succession de petits risques évités qui va vous faire gagner en compétences. C'est bien d'avoir des plans galères comme ça. C'est que quand t'as des plans pas galères, eh ben t'es content. Donc la chose la plus évidente aussi, c'est de pas griller les étapes. Hein. Faut faire des choses à son niveau, pas perdre de vue que l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Et bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes sorties en montagne.